Réussite la bino et la discipline commandant suprême et la insister pour la discipline à ma pinga conserver règles d'engagement règles de comportement non à nini au combat à massas nani au combat à massas au bomi munguna. Kokata yete. Boyokinga. Kokata munguna bitani bitani te pekisami. Alors, kami na bimisa ba soda d'élite. Ndenge boye awa. Bosa la exception. L'arrivée des militaires s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance des FARDC. C'est dans ce cadre que vous voyez ces jeunes gens. Et des jeunes commandos formés à la base des Kamina et qui avoisinent la. Contact d'abord! Après l'étape de la base militaire de Kamina, le chef d'état-major général de FARDC a visité ce vendredi 18 août 2023 près de 7000 recrues en dernière phase de formation au centre d'instruction des Mours Ali Kassi, dans le cadre de la poursuite de sa mission d'inspection et d'évaluation du niveau d'avancement de la formation de ces jeunes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême, chef de l'état, Félix Tshisekedi. Il a à cette occasion pris part à un exercice de manœuvre exécuté par ses recrues. Contact d'abord! Juste après, le lieutenant général Tchou Songesa Christian s'est adressé aux cadres instructeurs et aux recrues réunis à la parade du centre d'instruction de Moura. Dans sa causerie morale, le numéro 1 de l'armée a de prime abord transmis les salutations du chef de l'État et a appelé ses futurs soldats au patriotisme et à la loyauté, tout en mettant un accent particulier sur la discipline. Aux cadres instructeurs, le lieutenant général Tchou les a félicités pour le travail qu'ils abattent jusque-là, irréprochable, et a également annoncé la majoration de leur prime de 100 dollars dès ce mois d'août, comme à Kamina. Mampinga ya FARDC, notre devise. Nalingi nakomisa nano mbote ya mokonzi ya mboka, commandant suprême ya Mampinga na biso ya FARDC, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, atindeli bino mbote, bino nyonso boyambi mbote ya mokonzi na esengo. Est-ce que vous avez bien dans le sango? Merci beaucoup. Ça fait longtemps. La tika kibino. Tokutala ki nanam bokula. Lelo. Tokutani awa. Moura ne chou jamais. Parce que aliboso. Nyon se bimaka awa. Azalaka caractérisé dans trois points. Point à l'Iboso, c'est le patriotisme. Oyoki appel, yamokonzi yamoka, oye. Tango oye, souci na yo, ezako, okende kobate la mboka na yo. Monguna azala lisusu te,
namboka na yo ya libele na loyauté la loyauté d'abord envers les commandants suprêmes on ne peut plus jamais causer là loyal y a commandant là mais causer on va peut-être m'appeler à mon cause non la lumière un patriote na oyaza loyal les deux jamais on va te trahir. Signalons qu'auparavant, le général Tshiwewe avait pris part à un briefing sur la situation de l'école des sous-officiers et des centres d'instruction de Moura, lui présentés respectivement par leurs commandants, les colonels Ikomo Bienvenu et Sanza Desemba, avant d'effectuer une visite guidée du site qui va abriter le nouveau centre de santé. Le lieutenant-général Tshiwewe Songesa Christian effectue depuis ce mercredi 16 août 2023 une mission d'inspection et d'évaluation de l'état d'avancement de la formation de près de 12 000 recrues au centre d'instruction de Kamina dans la province du Holomami à sa descente d'avion à l'aéroport international de la base militaire de Kamina. Le chef d'état-major général a été accueilli par le commandant adjoint de la deuxième zone de défense, entouré du commandant de la base militaire de Kamina, du commandant du centre d'instruction de Kamina et de membres du comité provincial de sécurité du Holomami. Aussitôt arrivé, le lieutenant-général Tshiwewe Songesa Christian s'est rendu à l'état-major de la base de Kamina où il s'est imprégné de l'évolution de la formation de ces jeunes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par les commandants suprêmes. Prenons la parole, le chef d'état-major général a annoncé aux officiers de la garnison de la base de Kamina la dotation imminente de la nouvelle tenue de combat de FARDC après le contrôle de l'inspectorat général et a transmis les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des instructeurs, le chef d'état-major général des FARDC a annoncé la décision du commandant suprême d'améliorer leurs primes, augmentées de 100 dollars. Ce même mercredi, il s'est adressé aux recrues et aux cadres instructeurs réunis à la parade du CI Kamina. Dans sa cause rumorale, le lieutenant-général Tshiwewe leur a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, pour leur détermination de défendre la nation et leur endurance tout en prêchant la discipline sous toutes ses formes. Il a à cette occasion présenté aux recrues leur nouveau commandant, les généraux de brigade Djanga. Commandant suprême Yamapinga Nabisso, le président de la République.